Bon, je vais pas tourner autour du pot. Papouze m'a interdit d'y aller. J'ai essayé, mais... Mais pourquoi tu pourrais pas venir? Il veut pas que tu fasses une bonne action? On essaie la fécondation in vitro et le médecin a dit qu'il fallait que je sois là. Je comprends pourquoi Rémi peut pas venir, mais ça veut dire que tout repose sur mes épaules maintenant. Ça va le faire, j'en suis sûre. Hé, hey, salut. Oh, quand on parle du loup. Bonjour, ça va? T'es prête? Non, je suis pas prête. Assieds-toi deux secondes. Je lui expliquais que... J'étais en train de lui dire que j'allais pas pouvoir aller à Saint-Martin. Parce que je te l'ai interdit. Oui, exactement. Et c'est pas la peine de le nier, mon pote. T'es pas censé être de mon côté, toi? Non, mec, je vois clair dans ton jeu. Tiens, tu sais quoi? Emmène Safari. C'est quoi cette histoire de Saint-Martin? T'as dû entendre parler des ouragans qui ont touché cette région. J'organise un voyage caritatif. L'idée, c'était d'emmener Rémi avec moi, ainsi que toutes les autres filles, pour qu'elles puissent m'aider. Et maintenant, on n'arrête pas d'en parler, alors que Papouze m'a dit que je pourrais même pas y participer. Et je voudrais pas avoir l'air de tout ramener à moi, mais j'ai un morceau qui s'appelle Paradise, et qui marche plutôt bien. Il vient de dépasser le million de vues. Et je sais qu'il passe à la radio là-bas, genre souvent. Et je me dis qu'un petit remix de mon morceau Paradise, ça pourrait aider la population de Saint-Martin. Ça permettrait de sensibiliser les gens au problème et je pourrais reverser une partie des bénéfices. Et ça serait intéressant d'avoir les filles du coup, parce qu'elles pourraient être sur le morceau. Je trouve que c'est une bonne idée, parce que je sens que l'île elle-même peut être une source d'inspiration. Et quand elles vont me voir, toutes ces filles, elles vont juste avoir envie de me passer de l'huile de coco sur le corps. Et ensuite, tout le monde dira « Waouh, c'est qui ce beau gosse torse nu sous sa fourrure qui sent l'huile de coco ? Ça m'inspire déjà !» Non, le délire c'est d'aller distribuer des sacs de haricots. Où tu vas avec ton huile de coco ? C'est quoi le rapport ? Écoute, en tout cas, je suis partant. Toi, tu ramènes les filles et... Je te demande juste de garder au moins ton t-shirt.